Salut à tous. Alors aujourd'hui, en cette fin d'année, on a reçu un petit colis avant Noël. Donc un Tecno MT 410. Alors, le Papa Noël est passé en avance cette année. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette machine-là. Alors que à la base, j'aurais pu repartir sur un Arma, Creighton ou un Talion. Ou le Team Corallie Chronos, mais c'est vraiment un véhicule qui m'intéresse vraiment pas. Je sais pas, j'ai pas de feeling avec Team Corallie. Alors, le MT410, donc c'est pas un véhicule qui est récent, hein, c'est un véhicule qui était monté, enfin qui a monté en kit. Pourquoi j'ai pris le MT410? Tout simplement parce que je voulais vraiment rebâcher et j'avais plus de véhicule pour le bâche suite à la vente du Arma Creighton V4. Et je voulais vraiment, j'apprécie vraiment la marque Tecno, et j'attendais patiemment le dernier ET 48 points. Alors, je sais pas si ça aurait été le 2.0 ou le 48.4, je sais pas comment ils vont l'appeler aujourd'hui. Ils l'ont pas encore sorti, et j'étais vraiment pressé pour bâcher. Donc, alors, le Tecno 410, premier kit à monter, ça va vraiment me changer des kits RTR. Alors le prix où je l'ai acheté, c'est chez Microspeed, donc c'est shop.microspeed.fr ou point, non, point .com, enfin ou microspeed.63.com, je sais plus. Enfin, je vous mettrai le lien dans la description, sinon. J'ai eu un prix, donc faut savoir que c'est un kit, donc c'est sans l'électronique, sans les pneus, sans la carreau. La carreau, la voici. Ça va être une petite carrosserie C10 Proline, donc Chevrolet C10 1972. Voilà, qui va s'adapter très bien sur le véhicule. Donc pour la peinture, vous verrez dans les vidéos suivantes. Voilà, j'ai pas une idée, mais je sais qui va réaliser cette peinture. J'ai mis cette carrossée pour toi. J'attends patiemment celle du Obao VSE Pro qui va prochainement arriver, je l'espère bien. Donc voilà, cette carreau, elle va être pour toi. En attendant, on va découvrir le Tecno MT410. Donc je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà enlevé les scotch. J'ai vérifié parce que ça fait quelques jours qu'il est là, 4-5 jours qu'il est à la maison. Donc très bien emballé. Hein. Donc vous voulez peut-être voir le carton, ce qu'ils se disent sur le carton. Donc voilà, Pro Monster Truck Kit. Voilà, tout écrit en anglais. Amortisseur de 16 mm, châssis 4 mm. Bien sûr, c'est du 70-75. Vous avez un aperçu là monté avec un électro Tequin et un moteur Tequin. Une carreau ici de Dodge Ram, mais j'apprécie pas trop cette carreau. Voilà, sur cette photo, on apprécie vraiment le débattement. Puis c'est fourni avec les petits pare-chocs avant-arrière. Voilà pour ce qui est du carton, rien de bien spécial sur le carton. Alors dans le kit, on va le découvrir. Donc, ah oui. Donc ce que j'ai commandé en plus, c'est un petit skid plate de protection alu. Donc c'est marqué 70-75. Donc ça, c'est une quinzaine d'euros. Faut savoir que le kit avec la carrosserie et le skid plate, j'ai payé, et la livraison de 20 euros, j'ai payé 507 euros. Donc ce qui vous livre dans le kit, vous allez avoir toutes les huiles. Donc là, c'est de la 700 pour les amortos avant, arrière. Là, vous allez avoir de la 100 000 pour le diff central. Et là, de la 50 000 pour le diff avant, arrière, si je me trompe pas. Donc, vous allez avoir deux gros bagues comme ça, avec l'intitulé bague A jusqu'à ainsi de suite, jusqu'au dernier sachet. Donc là, je vois le i. Donc voilà. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que ça va, c'est juste la découverte du carton, ce qu'il y a dedans.
On va regarder un peu la notice. Et le montage, je le ferai pas en vidéo. Je vais le monter tranquillement. C'est mon premier kit. J'ai pas envie de m'embêter à faire une vidéo. Et bien sûr, vous verrez le véhicule fini avec sa carrosse et pneus montés. Pour les pneus, d'ailleurs, je sais pas quel pneu je vais choisir. Si je prends des Badlands ou si je prends... Là, j'ai des pneus de Truggy. Donc ça, c'est, ils sont vraiment sales, dégueulasses, ces enroulés. Ou si je prends des pneus de Truggy comme ça, simple, soit je reprends 4 sismiques, les rapides, pour bâcher, je sais pas trop encore. Donc là, on peut apercevoir les gros différentiels. Là, je vois le kit de roulement, je vois des bagues, les cellules de vie. Là, on peut voir les gros triangles bien épais. Et ça, c'est un triangle. Là, vous avez les deux. Là, vous avez les quatre. Donc voilà. Là, nous allons retrouver le châssis. Donc en 4 mm. Donc ouais, il y a très peu de flex. Il y a un peu de flex, mais très légèrement. Ça, c'est la particularité techno hein, sur ces châssis-là, ces modèles-là. Un châssis très étroit et vous allez retrouver le bac lipo. Alors le bac lipo, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Le bac lipo, normalement il va être ici, juste là. Électronique avec le vario et le servo qui est là. Donc, très bien fait, noir comme ça, il va pas rester longtemps noir. Bien usiné. Voilà pour le châssis. Et on va passer à ce qui m'intéresse, la notice. Alors la notice, là nous avons des petits autocollants. Perso les autocollants, bon moi ils sont sympas, mais je pense pas qu'avec la couleur de la carreau, je vais les utiliser. J'aime bien celui-ci et les MT410 et les gros techno, mais après le reste, je suis pas spécialement fan. Après les goûts et les couleurs ça se discute. Donc ça, instruction, la notice. Donc la notice, donc tout est en anglais. Vous voyez, YouTube, il y a une chaîne YouTube techno pour le montage, juste ici. Équipement additionnel, body, avec la peinture, ESC moteur, nanana, 4S lipo 4S, minimum 5000. Voilà, pignon de 15. Après, tout dépend du moteur que vous allez lui mettre. Donc voilà, très belle notice chez Techno, tout en couleur. Vous pouvez apercevoir, c'est en couleur. Donc ça c'est le bag A, les diffs, voilà tout ce qu'il y a de plus classique, la graisse sur les joints. Alors la graisse est fournie. Vous voyez, vous avez de la black graisse juste ici. Donc c'est fourni avec le kit ainsi que de la Loctite bleue. Donc encore sur les diffs, bien sûr pas trop les remplir. Front, vous voyez, ils disent fil front 100 000, rear 50 000. Donc voilà le montage. Je vous passe vaguement les détails. Donc s'il y a quelqu'un techno avec lui, s'il a des recommandations, bien sûr, vous pouvez marquer en commentaire. C'est toujours sympa d'avoir des avis d'autres personnes qui ont des technos. Donc là, vous avez les deux bagues pour la barre anti-roulis. Et là, faut savoir, alors c'est en vidéo, mais là, 30,2 cm, donc 3,2, ça représente vraiment la taille. Ce qui est sympa chez Techno, c'est que la taille de la photo correspond à la taille de la barre. Voilà. Comme ici, on peut voir la grande biellette. Et ça, la grande biellette, c'est la longueur réelle. Vous voyez, la taille actuelle, actual size, c'est-à-dire la taille réelle. Voilà. Donc je vais me faire plaisir à monter ça. Je vais survoler un peu les pages. C'était juste pour vous présenter le nouveau véhicule. Les vidéos arriveront de roulage début 2021, je pense.
Je vais m'occuper à monter le kit. Ça va m'occuper un petit peu de temps. J'ai pas trop le temps en ce moment. Donc voilà. Les tourelles, nanani, nanana. Donc pareil, actual size. Là on voit les biellettes. Donc je vous ferai un petit retour sur le montage du kit. Qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai pas apprécié, s'il y a des trucs que j'apprécie pas. Là les amortisseurs. Voilà, vous voyez, c'est livré par choc avant-arrière. Le diff central. L'installation du cerveau, du bac lipo, du moteur. Fixation de points, classique, standard. Merci la moto. Ensuite, les plots de carrosserie. Le réglage du cerveau de direction qui doit être parallèle. Forcément au sauve-cerveau. Voilà un aperçu 3D avec, enfin pas 3D mais un bel aperçu du véhicule fini. Voilà, vraiment sympa. Ah, ce qu'on a aussi, les setup. Vous avez un setup, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, rien. En fait, c'est à vous de. Petite page setup, ça c'est sympa. Je pense que je vais les photocopier. Donc vous en avez deux. Là, ça doit être. Voilà. Ça, c'est celle de base. Avec l'huile 700, 700. Les pistons. 10 × 1, 2. Donc il y a 10 trous × 1, 2. Les ressorts d'origine. Alors, les greens. Je sais pas si par contre, s'il y a différents ressorts. On verra. Zéro de rebond. Standard émulsion ou vente. Je sais pas ce que c'est, Venturi, je sais pas. Perso, si quelqu'un sait, met un commentaire. Ça serait sympa. Ensuite, à l'avant, camber. Donc je crois que c'est carrossage, moins 2, avant-arrière. Voilà. Kick-up, 10, machin, là. Donc vous avez tous les réglages. Même de la des plots de carreau. Bah, ça va être suivant la carreau, forcément. Position des amortisseurs. Voilà la position, ça c'est les inserts, devant, derrière, c'est vraiment top. Franchement, la notice chez Techno est vraiment sympa. Donc voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser là pour ce soir, pour aujourd'hui, je sais pas quand la vidéo va être postée. Je vais monter mon petit Techno tranquillement, je vais commencer... Là tout de suite. Prochaine vidéo à venir. Alors il va y avoir de la nouveauté. AliExpress. Je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. J'ai reçu deux petits Vario. Ezrun WP SC8. Donc ça c'est les anciens waterproof. Et un petit Mac 10. Donc celui-ci j'ai payé 40€, celui-là 60€. Vous voyez, j'ai deux Vario pour 100€. C'est des 120A chacun. Moi je roule qu'en 4S, ça me suffit. Après, pour le Techno, je pense que je vais lui mettre le Max 8 Obi-Wing 2200KV que j'ai dans la VT actuellement. Et pour les prochaines vidéos, je vous réserve pas mal de petits colis de chez AliExpress. Là, vous voyez un petit colis Jigs que j'ai reçu. Donc voilà, restez branchés, connectés, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. Présentez ça, je pense, le week-end prochain, le dimanche qui suit cette vidéo. Allez, bonne soirée à tous, protégez-vous, masque, gel hydro, et il n'y a pas besoin de gel pour la vidéo, alors regarde, sois attentif, et à bientôt.